Ok. Bueno, chicos, nos volvemos a ver desde el miércoles, no nos veíamos. Je vous envoyé ici le lien de l'assistance. Oui. Bonsoir, Alison. Bonsoir, Jennifer. Ça, c'est l'assistance. Oui. Vamos a llenar la asistencia. Recuerden que la idea es que quede el registro entre la hora de la clase. Si no la podemos llenar al principio porque de pronto estamos viendo la clase desde un celular, la podemos llenar al final, ¿sí? Pero recuerden que la asistencia se debe llenar. La idea es que quede entre la hora de la clase. Si la llenan, bueno, para las 8:30 no hay problema, pero entonces no nos pasemos mucho o muchos minutos después de la clase. ¿Sí? S'il vous plaît. Ok, aujourd'hui on va travailler avec les prépositions de lieu. Je vais vous partager ici l'écran. El día de hoy vamos a retomar las preposiciones de lugar que veníamos trabajando la semana pasada. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a seguir con más ejercicios. ¿Sí? Bueno, chicos, a partir de mañana vamos a trabajar muchísimo, muchísimo más el tema de la parte del habla. Sí, vamos a trabajarla muchísimo más. Entonces, sí les pido el favor de que si tenemos micrófonos, por favor, los tengamos listos para el día de mañana. Que podamos conseguir micrófonos las personas que de pronto no tengan para que mejoremos cada vez más la parte del habla. Entonces las clases van a cambiar un poquito la metodología, vamos a implementar mucho más el tema del habla. ¿Oui? Alors, preposición de lieu. ¿Oui? Où est le chien? ¿Dónde está el perro? Recordemos que où, esto significa dónde. ¿Oui? Où. ¿Dónde? Où. Et le chien, ça se prononce comme où. Où est le chien? Et ici, on a les exemples. Il est dans la boîte bleue. Il est dans la boîte bleue. Dans, en este caso, vendría siendo como adentro o dentro de la caja azul. Il est dans la boîte bleue. Dan. No pronunciamos la S porque la palabra que sigue no comienza por vocal. ¿Sí? On ne prononce pas le S parce que le mot suivant ne commence pas par voyelle. Dan la boîte bleue. Il est entre la boîte jaune et la boîte bleue. Et la boîte bleue. On continue ici. Il est sur la boîte verte. Sur la boîte verte. Sur. En este caso, si prononciamos la R. Sur la boîte verte. Verte. Sobre. ¿Sí? Dentro. Entre. Sobre. On continue ici. Il est derrière la boîte rose, derrière, atrás. Il est à côté de la boîte violette, à côté de, al lado de, no necesariamente a la derecha, puede ser a la izquierda, al lado de. Il est à côté de la boîte violette. Il est devant la boîte rouge, devant, delante. De la caja roja. ¿Sí? On continue ici. Il est sous la boîte bleue. Sous. Sous la boîte bleue. Il est ça. Bajo o debajo de la caja azul. ¿Sí? Recordemos entonces, chicos, hay unas preposiciones que no necesitan como tal la palabra de. ¿Sí? Son la preposición dans, derrière, entre, sur, devant, sous. ¿Sí? Estas preposiciones no utilizan la palabra de, a diferencia de à côté de
que si la géo ainsi. À côté d'eux, la boîte violette. Ok, on continue ici. Les prépositions de lieu, on a dans, en este caso en, devant, delante, sur, sobre, derrière, detrás, entre, comme en espagnol, sous, debajo, à côté de, al lado de, à droite de. À droite de. Esta, et al final la debemos escribir. À droite de. Oui. À la derecha de. À droite de. À gauche de. À gauche de. À la izquierda de. À gauche de. Recordemos que en estas preposiciones debemos siempre colocar la tilde. Oui, c'est très important l'accent. Es muy importante el acento. Si no colocamos este acento, estaríamos cambiando totalmente el contexto de esta oración. Bueno. Ok, on continue. Y si o no. À gauche, devant, derrière. Près ou à côté de. Près, cerca. Recordemos que este près es cerca de. Par exemple, il est près de la boîte. Il est près de la boîte. Oui, elle está cerca de la. Ay. Oh, non. Il est près de la boîte. Il est cerca de la caja. Este près de significa cerca de. Oui? On a ici sur ou dessous. Acá tenemos dos opciones. Sur ou dessous. Oui? Dessus. Sur ou dessus. On continue. À droite. Sous ou dessous. Debajo. Oui, debajo. Dan, también podemos decir dedans, dedans. En face de, enfrente de, en face de, entre. Oui, entre. Question, doute jusqu'ici? Preguntas, dudas hasta el momento? Ok. On continue. Ici, on a sur, sous, entre, devant, derrière, près de, à côté de. On a au-dessus de, por encima de. Oui? Esta generalmente la utilizamos, esta preposición, cuando no hay contacto. Cuando no hay contacto. Au-dessus de. On continue ici. Au-dessous de. Au-dessous de. No hay contacto. Por debajo de, pero sin contacto. Autour de. Esto significa alrededor de, ¿oui? Autour de, alrededor de, autour de. Au milieu de, au centre de, al medio de, o en el centro de, ¿oui? Au coin de, a la esquina de, coin quiere decir esquina, ¿oui? Et ici, on a au bout de, al final de. Ok,
Je pense qu'ici, on n'a pas plus de théorie. No tenemos más teoría. Como tal, estas eran las proposiciones de lugar. Vamos a continuar entonces con los ejercicios que nos faltaban. ¿Sí? Este ejercicio ya lo habíamos hecho. Una déjà fait ça, una déjà fait ça, et una déjà fait ça. ¿Sí? Lulapan. Et avec le chat aussi. Alors, on va continuer ici avec cet exercice. ¿Sí? On a les suivantes prépositions. Oui. J'ai besoin d'un volontaire. J'ai besoin d'un volontaire. C'est un volontaire ici. Nécessite un volontaire. S'il vous plaît. J'ai besoin. Merci, Erika. OK, Erika. Vous allez répéter après moi, oui? Oui. Répétez après moi. Después de mí. OK. Où sont-ils? Où sont-ils? ¿Dónde están ellos? Sí. Très bien. Dan. Sur. Sur. Au-dessus. Au-dessous. Sous. Sous. À côté de. À côté de. Entre. Entre. Devant. Devant. Derrière. Derrière. Autour. Autour. Okay. Question, doute? Non. OK. Alors, première question. Loup fantôme. Loup fantôme. Et loup valet. Loup valet, c'est ça, oui? Je vais signaler. Ça, c'est loup valet. Oui? La score. Loup valet. Alors, quelle est la préposition correcte, Erika? Et sous le loup valet. Très bien. Alors, vous allez répéter après moi. Loup fantôme. Loup fantôme. Est sur. Est sur. Loup valet. Loup valet. Très bien, Erika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, on continue avec Camille. Camille, bonsoir. Bonsoir. OK, un moment, je vais. Organiser ici l'image. OK, très bien. Ici, la réponse est assez, le fantôme est sur loup volé. Question numéro 2. Vous allez répéter après moi. Loup fantôme vert. Loup fantôme vert. Et. Quelle est la préposition correcte, Camille? Entre. Très bien. Entre. Je vais écrire entre. Vous allez répéter, s'il vous plaît. Loup rouge et loup blanc. Le rouge et le blanc. Très bien, merci beaucoup, Camille. Et, bueno, chicos, por acá nos faltó la L. L'exercice falta la L. Blanc. Oui, blanc. Del blanquito. Le fantôme blanc. On continue. Et je vais soin d'un autre volontaire, s'il vous plaît. William, merci. Bonsoir. Bonsoir. OK, William, ça c'est votre question. Numéro 3. Vous allez répéter après moi. L'araignée. L'araignée. Et. Et. Quelle est la préposition correcte? Bant. Oui, on peut dire dans. Et dans la toile. Oui? Dans la toile. OK. Très bien. Merci beaucoup, William. Merci. On continue. À notre volontaire, s'il vous plaît. Bueno, ça diga, pues usted. Moi. OK. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. OK, Vanny, vous allez répéter après moi. Loup fantôme est.
Le fantôme est. Quelle est la préposition correcte? Derrière. Derrière la maison. Bon, on peut dire derrière ou peut-être à côté. Après, à côté. Oui, à côté. On va utiliser à côté. Oui. À côté de la maison. À côté de oui. La maison. Je vais, oui. Je vais mettre les accents ici à côté de. Ok. Merci beaucoup, Vanim. On va continuer. On peut dire à droite de, très bien, à la derecha de la casa. On continue ici. Je vais mettre l'image un peu plus loin. Chicos, ¿se alcanza a ver? Aquí, ¿se alcanza a ver las preguntas? Oui. Non. Plus ou moins? Les chabés. Ok, bon, on va pour acá. Microfonito, se está sonando. Ok, on continue. À notre volontaire, s'il vous plaît. Ici, avec les chauves-souris. Je veux soin d'un autre volontaire, s'il vous plaît. Attention, chauves-souris. Ça, c'est murciélagos. Oui, chauves-souris. Murciélagos. Ok, merci William. Alors, les chauves-souris volent, vuelan. Quelle est la préposition correcte? Sur. Sur. Sur, bon, c'est peut-être une option. Sur, la utilisons más que todo quand il y a contact. Oui? Ok. Ok. Quand il n'y a pas de contact, on peut utiliser au-dessus. Oui. Oui. Très bien. Ça, c'est por encima de. Okay. Sí, c'est más que todo. Quand il n'y a pas de contact. Oui. Oui. Au-dessus de la maison. Dessus la maison. Oui. Merci, William. Merci. Les chauves-souris volent au-dessus de la maison. Ok, on continue ici. Le chat. Et quelle est l'option correcte? Le chat et la citrouille. Eileen, merci. Eileen, vous avez des microphones? Bon, très bien Camille, très bien Teresa, oui. Bueno, podríamos decir que también está encima, oui. Très bien Erika. Alors, le chat est derrière, derrière la citrouille. Oui, derrière la citrouille. Question suivante, le chat est la pierre tombale. Étudiant, comment dit-on pierre tombale en espagnol? Qu'est-ce que c'est ça? Pierre tombale. Lápida, oui, très bien, lápida. Alors, quelle est la préposition correcte? Le chat est la pierre tombale. Très bien, Teresa. Devant, on peut dire, devant. La pierre tombale, el gato está delante de la lápida. ¿Sí? Y finalmente, le fantôme vole de la maison. El fantasma vuela. Oui, très bien, Vanny et William. On peut dire. Au-dessus, ça c'est avec une ligne,
au-dessus de la maison. Por encima de la casa. Oui, le fantôme vole au-dessus de la maison. Autour, ça c'est alrededor de. Autour, alrededor de. Ok, on continue. Ici, on a plus de questions. Alors, ça c'est une question pour Alison. Vous avez le microphone, Alison? Listo. Ok, très bien. Quelle est la réponse? Le fantôme volé au-dessous de la maison. Un moment. Chicos, un segundito. ¿Estás viendo acá la imagen del arbolito y la calabaza? ¿Oui? Caramba, no escucho bien. ¿Estás viendo por acá la imagen del arbolito y la calabaza? ¿Oui? Sí. Utilizamos las mismas opciones, ¿sí? Pero ya son preguntas distintas. Alors, question ici, la citrouille et l'arbre. Alors, quelle est la réponse correcte? Caramba. La citrouille et la calabaza est l'arbre. Ay, se nos fue Alison. Bueno, que se le fue la conexión. Alors, on peut dire, oui, la citrouille est à côté de l'arbre. À côté de, oui. On peut dire, à côté de. La citrouille est à côté de l'arbre. On peut utiliser aussi sous l'arbre, oui. Debajo de l'arbre, oui. Sous l'arbre. Les tombeaux sont, les tombeaux. Las tumbas están. Les tombeaux son. Quelle est l'option correcte? Dans, très bien, William, très bien, Bane, Camille, Erika. Les tombeaux son dans le cimetière. On continue, numéro 3. Les fantômes sont la maison. Très bien, Camille, Bane, Erika, devant la maison, delante de la casa. Et la momie et le sarcophage. Bon. Entre, c'est pas possible parce que entre, lo vamos a... Cuando hay dos objetos, ¿sí? Que hay un objeto acá y otro objeto acá, entonces sí podríamos utilizar entre. ¿Oui? Dans ce cas, c'est pas possible entre. Dans, très bien, Teresa. Dans le sarcophage. Dans implica que está dentro. ¿Oui? Ok, question, doute. Preguntas, dudas hasta el momento. Ok, on continue. Je vais éliminer ça. Ici, on a un exercice de... où c'est ça? Un exercice de lecture, oui. Alors, Alison, vous avez des microphones, oui? Ya te me fuiste ahorita. ¿Oui? Tengo mala la señal. No, se va, vuelve. Ah, se me queda pegada la pantalla. Ok, pas problema. Bon. Je vais...
faire l'exercice avec un autre volontaire et un volontaire pour acá. Ok, Vané, merci. Vous allez répéter après moi, oui? Oui. Ok. Le Père Noël. Le Père Noël. Est dans le traîneau. Est dans le traîneau. Bien. L'étoile. L'étoile. Est sur l'arbre. Est sur l'arbre. Très bien. Le couple. Le couple. Est sous le gui. Est sous le gui. Très bien. Merci beaucoup, Vanny. Ok, question. Doute du vocabulaire. Gui, c'est ça. Este es como un moñito, esta liga, ¿sí? Étoile, étoile, c'est ça, estrella, ¿sí? Alors, étoile, estrella, gui, esto es como la liga, ¿sí? De Navidad que se pone. Ok, ¿pas question? On continue. Ici. Bon, je vais choisir. Jonathan, bonsoir. Vous avez le microphone? Oui? Jonathan, vous avez le microphone? Bueno, creo que no, no iría para de conexión y sí. Ah, ok. Uy. Creo que estás intentando poner el micrófono, pero como que se te va. Bueno, on continue. Je vais demander à notre volontaire, s'il vous plaît, pour répéter. Ok, merci William. Alors. Vous allez répéter après moi, oui? Oui. Les cadeaux sont autour du sapin. Autour du sapin. Très bien. Le renne est devant le sapin. Devant le sapin. Très bien. L'elfe est derrière. L'elfe est derrière. Le Père Noël. Le Père Noël. Ok, merci beaucoup, William. Merci. Alors, question, doute par rapport au vocabulaire? Pas question? Ok. Vous savez qu'est-ce que c'est cadeau? Comment dit-on cadeau en espagnol? Oui, très bien. Regalos. Oui. Sapin, c'est ça. Hace referencia al arbolito, en este caso, este tipo de árbol en específico. Oui. Porque si no, podríamos decir ajo. Pero este tipo de árbol en específico, only sapin. Oui. Ok, on continue. Je vais aligner ça, les annotations. Et on continue avec les autres lectures. Et un moment, alors on a Camille. Vous allez répéter après moi, oui? Oui. Ok. Le Père Noël est à droite. Le Père Noël est à droite. Du bonhomme de neige. Du bonhomme de neige. Très bien. Les vases sont accrochés.
Les vases sont accrochés à la cheminée. À la cheminée. Très bien. On continue. L'ange vole. L'ange vole au-dessous de la crèche. De la crèche. Ok, merci beaucoup, Camille. Alors, question, doute. Comment dit-on bonhomme? Bonhomme de neige. En espagnol, bonhomme de neige. Oui, très bien, muñeco de nieve. Alors, le Père Noël est à droite du bonhomme de neige. Les vases sont accrochés à la cheminée. Question ici? Accrocher. Esto viene del verbo accrocher, que es colgar. ¿Sí? Accrocher, que es colgar. Le va, va, c'est ça. Oui, ce sont les va. Les va. Les va sont accrochés à la cheminée. Las medias están colgadas en la chimenea. Oui. Et on continue ici. L'ange vole au-dessus de la crèche. Comment dit-on ange en espagnol? Ángel, oui, très bien. Ángel. Et ici, on a crèche. Crèche. Vous savez qu'est-ce que c'est crèche en espagnol? Pesebre, oui, très bien. Crèche. Ok. Alors, on va finir ici avec ces trois lectures. Je vais lire. Le garçon avec les bottes jaunes et à gauche du garçon plus grand. Le renne est entre les elfes. Le bonhomme de neige est à côté du sapin. Question doute ici? Vous connaissez le garçon et le chico? Avec les bottes jaunes, con, recordemos que esto significa con, avec les bottes jaunes et à gauche du garçon plus grand. Ça c'est en espagnol, el chico con las botas amarillas está a la izquierda del chico más grande. Oui? Plus grand quiere decir más grande. Ici on a le renne et entre les elfes, ça c'est très paru à l'espagnol. Le bonhomme de neige est à côté du sapin. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est phrase en espagnol? Le bonhomme de neige est à côté du sapin. Arbre es, bueno, es que sapin significa abeto. ¿Sí? Es una especie de árbol específica. Arbre ya pues, significa árbol como tal. ¿Sí? Sapin ya se refiere a este árbol abeto. Abeto es que no sé cómo se pronuncia eso en español. Abeto. Oui, très bien, William. El muñeco de nieve está al lado del árbol de Navidad. Oui, très bien, vale, al lado del abeto. Oui, très bien. Bueno, arbre, oui. Arbre ou sapin. Ok. Bon, question, doute jusqu'ici? Preguntas, dudas hasta el momento? Ok, on continue, je vais éliminer ça. Un moment, s'il vous plaît. Se me perdió por acá el documento.
Okay. Bueno, chicos, todavía no les he podido, no sé si les está pidiendo que me pidan acceso a los videos. Creo que les está pidiendo eso, o han podido acceder a la carpeta sin necesidad de que yo les apruebe esto. Porque este fin de semana estuvimos cuadrando el espacio del Drive, porque ya lo teníamos al tope, ya no nos iba a dejar grabar más videos, entonces estuvimos cuadrando un poquito eso, y los videos como tal quedaron compartidos en otra carpeta, entonces ahorita les vuelvo a compartir la carpeta. Vamos a tratar de que no les pida entonces acceso. Ok. On continue ici. Je vais partager la partie 2. Oui, préposition de lieu, partie 2. Ici, on a une vidéo. Oui. On a une vidéo. Vidéo en français, ça c'est féminin. Oui, une vidéo. Je vais vous montrer. Ça c'est. J'espère que vous allez très bien. Nous allons voir. Ok. Un moment, je vais partager ici. Ok. Chicos, estamos viendo la pantalla acá en YouTube. Preposición de lieu, oui. Ok, bueno, me toca apagar el micrófono para que a ustedes no se les escuche eco. Me avisan, por favor, si sí se está escuchando. Oui, merci. Dans cette vidéo, les prépositions de lieu avec votre professeur Pascal et FrenchSpanishOnline.com. Ok, oui. Vous avez écouté? Oui, oui. Ok, merci. Commençons par la préposition « devant ». Voici des fleurs. Ratounet est devant les fleurs. Il est devant les fleurs. Devant. Où il est devant? Ratounet est devant. Où est Ratounet? Il est devant les fleurs. La même chose pour « derrière ». Où est Ratounet? Ratounet est derrière les fleurs. Il est derrière les fleurs. Il est derrière. Je suis derrière toi. Il est derrière la voiture, etc., etc. À côté de, près de. Où se trouve Ratounet? Il est où? Ratounet est à côté des fleurs. Il est près des fleurs. Il est à côté des fleurs. Fleurs est pluriel. Des, à côté des. Fleur. Il est à côté. Il est à côté du fauteuil. Il est à côté de la table. Parce que table est féminin. Où est Ratounet? Ratounet est entre les fleurs. Il est entre les fleurs. Il est entre. Ratounet est entre les fleurs. Ici, Ratounet est parmi les fleurs. Il est parmi les fleurs. Il est parmi elles. Ici, nous avons besoin du pronom elle parce que fleur est féminin. Il est parmi eux si nous avons un nom masculin. Il est parmi les fleurs. Où est Ratounet? Sur cette image, Ratounet est à droite. Des fleurs. Il est à droite des fleurs. Il est à leur droite. Il est à leur droite. Il est à droite du fauteuil. Il est à droite de la table. La même chose pour à gauche de. Ratounet est à gauche de. Est à gauche des fleurs. Il est à gauche des fleurs. Il est à leur gauche. Bueno, por acá tenemos a gauche de fleurs, a la izquierda de las flores.
obviamente nos toca como imaginarnos que realmente está a la izquierda, solo que nosotros vemos la imagen y diríamos está a la derecha. Sí, nos tocaría como mirar hacia el frente, voltearnos y ya comprendemos acá esta partecita, porque es a gauche. En este caso es como si nosotros estuviéramos mirando hacia donde está mirando la pantalla del computador. No sé si me haga entender acá con este con esta explicación. Parmi, ça c'est entre. Oui, entre. C'est un synonyme de entre. Ok, on va continuer. Il est à gauche du fauteuil, il est à gauche de la table. Que fait Ratounet? Ratounet marche autour des fleurs. Il marche autour des fleurs. Il marche autour. Il marche autour du fauteuil. Il marche autour de la voiture. Dans, la préposition dans. Où est Ratounet? Ratounet est dans la boîte. Il est dans la boîte. Il est dedans. Attention, il est dans la boîte, mais il est dedans. Dehors, il est en dehors de la boîte. Ratounet est en dehors. Ok, en dehors, ça c'est afuera, ¿sí? O fuera de la caja, que es diferente a, por acá tenemos, dedans. Oui, esta de acá abajito, dedans quiere decir dentro. Oui, dehors quiere decir fuera. De hecho, esta palabrita dehors, dehors, no pronunciamos la S, dehors, también nos sirve para expresar que estamos fuera del país. Je vais écrire ici. Par exemple, je suis dehors. Oui, je suis dehors también puede significar que estoy fuera del país, estoy en el exterior. Dehors. Ok, on continue. Ratounet est en dehors de la boîte, il est en dehors. Nous ne disons pas, il est dehors la boîte. Non, ce n'est pas français. Il est dehors signifie qu'il est dehors de la maison. Mais ici, Ratounet est en dehors de la boîte. Sûr. Voici une table. Ratounet est sur la table. Il est sur la table. Ou il est dessus. Attention, il est sur la table, mais il est dessus. Il est dessus. Ratounet est dessus la table. Ici, sous. Où est Ratounet? Ratounet est sous la table. Il est sous la table. Il est dessous. Il est sous la table, il est dessous. En haut de, voici un escalier. Où est Ratounet? Ratounet est en haut de l'escalier. Il est en haut de l'escalier. Il est en haut. Il se trouve où? Il se trouve en haut. Il est en haut. Il est en haut du, il est en haut de là, il est en haut des. La même chose pour « il est en bas de ». Ratounet est en bas de l'escalier. Il est en bas de l'escalier. Il est... Ok, ici on a plus de synonymes, oui. Et un moment, ça c'est en bas, en haut. Ça c'est « arriba », oui. « Arriba de l'escalier », oui. Il est en haut de l'escalier. « Arriba ». Ou le contraire, ça serait... Il est en bas de l'escalier. Oui, il est en bas de l'escalier. Acá tenemos más preposiciones, algunas preposiciones nuevas que vamos a ir utilizando y aprendiendo. Oui. Alors, en bas de, en haut de. Oui, on va continuer. Il est en bas de, selon le mot qui suit. Par, une autre préposition. Voici une fenêtre.
Ratounet est passé par la fenêtre. Il est passé par la fenêtre. OK. Ici, on a une autre préposition, oui? Par. Et le nom du ratoncito est ratonné. Oui? Raton en français, también se dice raton. Oui? Raton. Solo que el nombrecito sí es ratoné. Ratoné es pasé par la fenêtre. Ratoné pasó por la ventana. ¿Sí? En este caso, par significa por. ¿Sí? Y le pasé par la fenêtre. Fenêtre, ventana. On continue. À travers. Voici une vitre. Ratounet est passé à travers la vitre. Il est passé à travers la fenêtre ou la vitre. Il est passé à travers. C'est dangereux. Si vous voulez toutes les prépositions, vous pouvez télécharger ce graphisme. OK. Question d'outre, ça c'est compréhensible? Oui? Je vais écrire ici. Ça c'est compréhensible, la vidéo? Oui? OK. Très bien. Alors, on va continuer ici. Un moment, je vais vous partager l'écran. Chicos, recuerden que este material se les está enviando al grupo de WhatsApp un día antesitos, pues si quieren lo imprimen o le pegan una revisadita o pueden repasar con él después. ¿Sí? Alors, les prépositions de lieu. ¿Sí? On a ici des images. Vous allez me dire quelle est la préposition de lieu, le lieu correct. ¿Sí? Préposition de lieu. Alors, image numéro 1. Question pour Teresa. Bonsoir, Teresa. Quelle est la préposition correcte ici? À côté. Très bien. À côté de. À côté de. Je vais mettre les accents. À côté de. Merci beaucoup. On continue. Jennifer, quelle est la préposition correcte ici? Sur. Très bien. Sur. On continue avec Diego. Bonsoir. Quelle est la préposition correcte? Bonsoir. Professeur. Vous allez bien? Dessous? Très bien. OK. Merci. Alors, la préposition c'est? Sous. Oui, très bien. Sous. Merci, Diego. Dessous, c'est possible? Oui, c'est possible aussi. OK. OK, on continue. Aïe, ouais. On continue ici. Question pour Yesenia. Yesenia, bonsoir. Vous avez le microphone? C'est question. Non, pas de microphone. Que tiene problemas de conexión. Il y a des problèmes de conexión. On continue avec un moment. Nata, bonsoir. OK, pas de problème. Quelle est la préposition correcte? Vous allez écrire dans le chat. Oui. Devant. Devant. Très bien. Devant.
Ici, quelle est la préposition correcte? Question pour tous. Pour tous. Quelle est la préposition correcte? Derrière. 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 Et la dernière, quelle est la préposition correcte? Question pour tous. Dans. 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 Oui. Dans. Ok. Merci beaucoup à tous. On se voit demain. Oui. Nos vemos el día de mañana. Recuerden la asistencia, se los voy a mandar por acá otra vez el link. Mañana vamos a estar trabajando mucho la parte del aula. Por favor, si podemos conseguir unos micrófonos, sería muchísimo, muchísimo mejor para la clase. Merci beaucoup à tous. Au revoir.